Bienvenue dans un nouveau vlog, on est vendredi, aujourd'hui quoi de neuf? Pas grand chose, mis à part que aujourd'hui je tourne une vidéo que vous aurez déjà vue d'ailleurs parce que je l'aurai postée ce matin pour vous. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu, le lien va apparaître au-dessus, n'hésitez pas à cliquer dessus. Une nouvelle page va s'ouvrir, vous pourrez la regarder ensuite et continuer à regarder ce vlog. Et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, début d'après-midi, Alex rentre à la maison, donc je suis vraiment super contente. Là, Mila est à la sieste, donc je vais pouvoir filmer ma vidéo assez tranquillement. Ensuite, je dois aussi laver mes deux carlins aujourd'hui parce qu'ils ont besoin d'être lavés. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Et puis au cas où vous vous demanderiez avec quoi je filme, comment ça se passe, etc. Je filme avec un Canon EOS qui est ici, c'est le 60D, voilà, comme ça vous savez avec quoi je filme mes vidéos face caméra. Et j'ai aussi oublié de vous dire, ce soir je mixe au Luxembourg, donc je pense que je vais faire une vidéo là-bas, mais je ne suis pas encore certaine, on verra bien comment ça se passe. La dernière fois que je vous ai dit de rejoindre ma page DJ Miss Rocks, comme quoi j'allais vous mettre une vidéo, je ne l'ai pas fait, je suis désolée, j'ai pas pris le temps de faire cette vidéo, mais ça arrive très prochainement. Donc ceux qui sont intéressés par mon boulot, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube DJ Miss Rocks, qui apparaît aussi au-dessus. Il y a plusieurs vidéos qui vont arriver prochainement, à mon avis tout va arriver d'un coup, donc voilà. Ça c'est la galère quand on n'a pas de mise au point automatique. Voilà. Et on espère être net, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma commande Banggood du mois d'août, dont je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu. Et voilà, j'ai fini ma vidéo Banggood. Franchement, il fait hyper chaud, je sais pas si ça se voit. J'espère que à la caméra, à l'autre caméra, ça ne se voit pas. Parce que j'ai vraiment très très chaud, il fait hyper chaud. Du coup, quand je filme, je suis obligée de fermer les fenêtres. Et du coup, il n'y a même plus d'air qui rentre. Enfin, il fait vraiment 35 degrés dans la chambre, c'est horrible. Donc voilà. Et Mila est toujours à la sieste, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des choses pour filmer une autre vidéo. Je pense pas que j'aurai le temps de la faire aujourd'hui, mais ce sera peut-être pour demain ou après-demain, on verra. Mais en tout cas, il y a d'autres vidéos face caméra qui arrivent très vite. Ces bretelles me dérangent fortement depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Je sais pas trop quelle heure il est, mais Mila elle est toujours à la sieste. À mon avis, elle va nous faire une sieste jusque 15h30, quelque chose comme ça. Ça arrive certaines fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais laver mes deux carlins parce qu'ils en ont besoin et que comme il fait hyper bon, ils vont sécher assez facilement, ils n'auront pas froid. Donc je vais faire ça tant que Mila elle dort encore. Oui, je sais que vous n'avez pas trop envie, mais il faut. Allez. Papa, il a un cadeau pour toi. Attends. Papa va le chercher. C'est qui? C'est Kitty?
C'est Kitty. Ah, c'est maman. Waouh, elles sont trop jolies. Montre. Waouh, avec le nœud. Attends, papa va bien les mettre. Ah, mais ils bougent pas. Voilà. Mila. C'est un peu grande. Hein. C'est pas grave, elle les aura pour plus tard. Waouh. Wow. Fais un bisou. Fais un bisou. Fais un câlin à panda. Tu fais un câlin à panda. Oh, fais-moi un câlin. Oh, c'est la main. C'est la main de panda. C'est les yeux. C'est l'œil. La bouche. Le nez. Le nez. La main. La main. L'œil. L'oreille. Les oreilles. Les oreilles du panda. Oh, tu sais pas, c'est pas grave. Fais un câlin. Son larguin. Bon, comme vous pouvez le remarquer, il fait toujours aussi chaud. Je n'en peux plus. Mila, elle est dans la pseudo-piscine. Je ne la montre pas trop parce qu'elle est toute nue. Hop là, juste la tête. Je l'ai couverte d'une couche d'un centimètre de crème solaire. Et puis, de toute façon, il y a parasol, donc il n'y a pas de souci. Elle est à l'ombre. Il fait vraiment très très chaud. Il est 18h, il est même plus que 18h, il est 18h30. Dans 1h30, on part, donc Alex m'accompagne, on part en voiture au Luxembourg parce que je mixe là-bas ce soir. Donc il y a beaucoup de routes, mais bon voilà, c'est comme ça. Mila est partie chez ma maman, donc c'est ma maman qui s'en occupe jusque demain matin. Moi, je vais aller reprendre une douche parce que franchement, j'ai eu trop chaud. Et je vais tester ça. J'ai acheté ça chez Action. Je viens de regarder sur le site Beauté Test parce que je vérifie un petit peu tous les avis sur Beauté Test avant de me servir des trucs. Et normalement, c'est de l'huile de coco à manger, enfin pour cuisiner. Normalement, enfin quand je l'ai acheté, elle était solide. C'est un peu comme l'huile de mon œil, en fait, elle se solidifie avec le froid. Mais là, il fait tellement chaud qu'elle est liquide. Et en fait, il y a une copine à moi, je sais plus c'est qui. J'arrive plus à revenir sur qui m'a parlé de ça. Il y a une copine à moi qui m'a dit qu'elle se démaquillait avec ça et que ça allait hyper bien pour les yeux, etc. Et c'est méga naturel, donc voilà, je vais tester ça. J'ai peut-être un coton là pour essayer devant vous. Donc voilà, j'ai trouvé un coton ici. Je vais tester ça. Je sais pas trop si ça se met au doigt ou au coton, mais vu comment c'est liquide, enfin, je vais peut-être en mettre sur mon doigt, on verra bien. Hop. Alors ce que ça donne. C'est de l'huile, hein, ça c'est sûr. Et du coup, je l'ai acheté chez Action, celle-ci. Quand j'ai vu ça, voilà, ça m'a rappelé... Enfin, ça m'a rappelé la personne, j'arrive plus à me souvenir qui m'a parlé de ça. En tout cas, regardez comment ça me démaquille trop bien. C'est du mascara waterproof de chez Waterproof. Et ça l'enlève, hein. Franchement, j'en ai plein les doigts, là, on s'en fout. Bah, ça part vachement bien. Génial, ce truc. Sachant que le pot qui est immense là, je l'ai payé 1,99€, hein, donc je suis pas prête d'en manquer. Bon, me voilà prête. Donc ce soir je mixe à une beach party, donc je ne sais pas s'il va y avoir du sable, si c'est en extérieur, si c'est dans une salle, etc. Je ne sais pas. Celles qui veulent voir la suite, je mettrai sûrement une vidéo sur ma chaîne DJ Miss Rocks. Mais franchement je ne sais pas trop ça va être quoi la soirée, donc voilà. Au niveau de ma tenue, bah, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un petit haut, il fait tellement chaud que je n'allais pas mettre autre chose. J'ai un petit short en jean et j'ai mis, je ne sais plus comment ça s'appelle... Ça porte un nom, attendez, je vais me rappeler. Des spartiates, voilà. J'ai mis des spartiates, je sais pas ce que vous en pensez de ma tenue. Mais voilà, c'est cool, je suis bien dedans et puis au moins j'aurai pas trop chaud. J'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog.